Et je vais céder la parole sans plus tarder à Monsieur le député de Matane-Matapédia. Madame la Présidente, depuis quelques années, la berce spondyle, une plante exotique envahissante, s'est répandue dans certains secteurs du Bas-Saint-Laurent. La ville d'Amqui est particulièrement touchée par la prolifération de cette espèce qui a pour effet de causer des brûlures sur la peau des personnes qui y sont exposées. Puisque les risques d'exposition à la berce sont de plus en plus grands, les membres du conseil municipal d'Amqui souhaitent l'éradiquer de son territoire. Des spécialistes de l'Université Laval ont évalué qu'un tel exercice pourrait prendre jusqu'à 5 ans. Afin d'assurer la santé et la sécurité de ses citoyens, la ville d'Amqui demande l'aide du gouvernement du Québec afin de mettre en place un programme d'éradication. Les élus souhaitent la création d'un programme de formation et d'embauche de la main-d'œuvre qui permettrait d'élaborer et d'appliquer un plan d'éradication, et ce, de manière sécuritaire et efficace. Considérant les dangers que représente la berce spondyle pour la santé publique et les moyens limités dont dispose la municipalité pour faire face à ce type de problème, je demande également au gouvernement du Québec d'apporter un soutien financier et technique à la ville d'Amqui. Merci, Madame la Présidente. Alors, merci beaucoup, Monsieur le député.